Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Oh, bonjour mon Sterling, comment vas-tu? Ah, écoute-moi, ça va très bien. T'as pas très bien dormi, t'en as perdu la parole. Ok. Écoute, je t'attends en bas alors, hein? Sterling Cooper. Oui, oui, ça va Sterling. Ça va, tout va bien, Cooper. Bah oui, bah ça va, bah écoute, ça va toujours, et toi? Sterling, reste avec moi, Sterling. Je pense que vous avez des problèmes mentaux. Vous connaissez la loi, mais vous connaissez pas bien comment utiliser votre bouche et vos cordes vocales. Ah, c'est terrible. Bon, écoutez, Sterling, on se rejoint plus tard. Alors. Ah, bah d'accord. Montez, mon cher. Ah oui, d'accord. C'est bon, vous m'entendez? Ah ben non, je monte deux. Sterling, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très mal, Pourquoi vous m'entendez très mal? Dites-moi, hein, vous avez des problèmes aux oreilles, là, non? Sterling? Bonjour, monsieur, vous allez bien? Monsieur? Hola, vous attendez? Vous allez bien, vous m'entendez bien? Comment ça va? Ça va, et vous? Ah, je crois qu'elle m'entend pas, attendez, ok. Vous attendez pour les Venise ou vous travaillez ici? Non, non, on a été récupérer notre voiture, c'est pour ça. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, Cooper, tu entends ça, le commandant Soulac est décédé. Oh, c'est une bien mauvaise nouvelle, dites voir. J'ai des problèmes de cordes vocales, de toute évidence. Oui, oui, non, mais c'est. Tu as pris la petite pastille que je t'ai donnée. Mais c'est très bizarre, écoutez, attendez, je sais le problème. J'ai été mâché, c'est pour ça. Comme je disais, je me perçois un peu trop, j'entends. Je vois, mais je regarde aussi, figurez-vous. Oui, d'accord, je comprends le... Attendez, je prends ma petite... Hop, voilà, ma petite porte-case, donc bougez pas. Ah, ça, ça a l'air de bon. Alors, attendez, attendez. Ah si, vous entendez. Ok, je vois ce que vous voulez dire, mais moi aussi, c'est comme ça. Hein. Ah, d'accord. Là, actuellement, d'accord. Donc c'est pas vous le souci? Comment ça, c'est pas moi le souci? Excusez-moi, madame. Non, pas vous, l'autre, monsieur Sterling. Vous m'entendez bien, là, je vous m'entends. Si, je vous entends bien, ça c'est. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Non, non, y a pas de... je pense que le problème vient pas de vous. Ah oui, ah oui, ah bah oui, ah oui, je crois que le problème vient de ce monsieur, oui, effectivement, de monsieur Sterling. C'est-à-dire, expliquez-moi. Mais, en réalité, très gros problème, monsieur Sterling. Expliquez-moi selon les lois. Selon les lois et l'article 378, si je discute et que vous discutiez en même temps, n'est-ce pas, alinéa 13, j'entendrai ma propre voix qui résonne à travers la bouche. Alors, c'est dû à mon sonotone, ne bougez pas. Oui, dans votre téléphone, vous allez sur la configuration du téléphone. Ensuite, vous allez sur le chat vocal du téléphone pour régler votre appareil, n'est-ce pas, votre sonotone aussi, hein, parce qu'il est en Bluetooth, je me sens. Bien sûr, bien sûr. Et là, vous faites désactiver, puis vous réactivez tout. J'ai rien compris. Allez, ah, il voilà. Faut faire un effort. Vous allez dans votre téléphone. Sur mon téléphone. Non, écoutez, échappez-vous de votre téléphone. Échappez-vous de votre téléphone. Oui, allô, allô, Effie. Je suis échappé, tu vas bien. Ça va très bien, j'ai des petits problèmes avec Sterling, mais... Comment vas-tu? T'as pas regardé les journaux, je suppose. Les journaux? En 2021, tout de même, Effie, s'il vous plaît. Un petit peu de bon sens, hein. Bah écoute, je vais super bien, tonton. Ah, bah écoute, on se voit quand, alors? On était, on avait changé de ville pour une très grosse affaire. On est de retour et on est très fiers d'être de retour, d'ailleurs. Écoute, j'ai du boulot. Oui. Oui, bah comme tout le monde, ma petite Effie. Mais j'ai beaucoup de choses à te raconter, tonton. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on se voit un petit peu plus bon, tard? Bon, messieurs, moi, je vous laisse. Bon courage, ouais, hein. Je vais venir aller voir très rapidement, mais je vais pouvoir rester que 5 minutes. Très bien, très bien. Bon, que 5 minutes, dans 5 minutes. Et attends, quand j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire, je te verrai après. T'as bien une petite 6ème minute, quand même, pour ton préféré. Ça dépend. J'ai Katana avec un flingue à bout portant en face de moi, donc maintenant, la réponse est, est-ce que t'as envie qu'elle crève ou non? Pardon? Ouais... C'est compliqué en ce moment. Ok, je te rappelle dans quelques minutes, je finis de régler un petit problème et puis on vient te voir. Ok, à plus tard. Bisous, bisous. Est-ce que c'est non, c'est pas, c'est un... Il faut faire un effort là, monsieur Sterling, ça commence à être très chiant là. C'est bon, Sterling? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Alors c'était quoi le problème? Dites-moi tout. Alors, il semblerait que... Parce que là, c'est fille... très bien là, c'est... Oh là là, c'est très bien, Sterling, parlez-moi. Oh, je vous parle. Oui, bah parlez-moi donc. Mais je ne cesse donc. Mais ne cessez donc de cesser donc, parlez, continuez. Je ne cesse pas. Bon, alors, mon cher Cooper. Mon cher Sterling. Il semblerait que nous étions absents quelque temps suite à des dossiers et des formulaires à compléter. Des dossiers confidentiels selon toute déontologie, oui, effectivement. On ne peut pas en parler, bien évidemment. Cela ne nous regarde pas. Entre-temps, il y aurait eu des morts. Oui.
Oui, j'ai cru comprendre que le commandant Soulax, c'est ça, était mort. En même temps, entre nous, mon cher Sterling, je pense qu'avec ce nom-là, on peut pas aller bien loin, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Soulax me paraît très européano-franco-éclaté, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je connais la loi et je peux vous dire que c'est rarement bon présage, hein, un nom comme ça. Ce que je peux vous dire, mon cher Cooper, c'est que la vie fait bien les choses parfois. Oui, oui. C'est bien triste, c'est une bien triste nouvelle. Il avait l'air très gentil. Très gentil au demeurant. Au demeurant et au demeuré. Surtout au demeuré, d'ailleurs. Oui. Bah écoutez, on va aller prendre, quelques petites nouvelles. Alors, et figurez-vous, par contre, et ça m'attriste un peu, figurez-vous que... Tous nos clients sont en prison, non? Oui, déjà, ça ne change pas. Oui, bien sûr. Mais figurez-vous surtout que, vous pouvez sortir, n'oubliez pas votre bien sachet case. Il paraît que Effie est dans de potentiels gros problèmes. Comment ça? Je sais pas. Je compte sur elle pour me dire. Tu peux baisser ton attaché caisse. Oui, Effie, comment vas-tu? Allô? Oui, allô, oui. Oui, allô? Il y a quelqu'un au bout du tuyau? Oui, il y a quelqu'un, tonton. Oui, c'est moi. Oui, j'arrive. Dès que je suis disponible, je t'appelle. Oui, tu arrives où? Là, à l'heure actuelle, je vais récupérer quelques colis. Quelques colis, d'accord. J'ai fait des achats sur Amazon. Oh, c'est bien ça. Ça fait tourner l'industrie internet. Ça, c'est sûr. Actuellement, je suis dans le nord. Le nord? Eh ben, écoute, envoie-nous des coordonnées GPS et puis nous viendrons de ce pas. Ok, dès que je suis disponible. Conduire, et dès que je ne peux pas te mettre dans la merde aussi, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai une prime de 2 500 000 $ sur la gueule. 2 millions, c'est beaucoup. 500 000, oui, tu parles de 500 000 derrière. Ah, 2 500 000, c'est encore plus. Oui, morte ou vive. Morte ou vive. Ah, bah dis donc, t'auras beaucoup de trucs à me dire. Oui, et je suis enceinte. Je sens que ça va être une affaire pour Sterling et Cooper. Ça va être une belle affaire pour nous, ça, mon cher Sterling. Écoute, ouais. Dernier truc, comment on ferme une voiture? Est-ce que t'as la dernière technologie ou pas? Oui, c'est de la belle technologie, ça, dit donc. Alors, normalement, sur ton beeper, t'as un petit bouton qui a une forme de U. Un bouton. Oh oui, d'accord, oui, très bien. On arrive. Ok. Envoie-moi les coordonnées. Très bien. Comment alors, on fait des Explique-moi, parce que là ça m'interpelle. J'ai entendu 2 500 000. Alors, figure-toi que je crois qu'Effie a un très gros problème, mais tu la connais. Hein. Elle est un petit peu. Je t'avais dit que son père était un peu. Comme les autres, hein, déjà quand il était enfant. Il paraît qu'elle est recherchée mort ou vive pour 2 500 000 $. Alors, laisse-moi te poser une question avant tout. Oui, je veux me faire de l'argent si c'est ta question. Voilà. Voilà, donc. Quels sont tes réels liens avec ta nièce? Écoute, je ne l'ai pas vu depuis divers années, je pense qu'un petit SMS glissé pourrait... Voilà. Donc si jamais on informe 2-3 personnes, bon ben... Oui, 2-3, 6-7, 8 personnes, on peut... Oui. Facilement, attends, je fais le tour, la calandre est bonne, c'est bon. Bon, écoute, rejoins-moi. On va pas voir le commissaire avant. Si. Tu peux t'asseoir dans la voiture, hein. Non, on va voir le commissaire. Oui, voilà. Allez. J'ai changé d'avis. Pourquoi pas demander à ces jeunes policiers pourquoi elles seraient recherchées d'Ivoire? Vous en pensez quoi, monsieur Sterling? Ils sont au courant. Je crois que monsieur. Si elle est recherchée pour 2 500 000, oui, bonjour. Vous venez pour quelqu'un, là? Oui, j'avais une petite question. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. Permettez-moi, le commandant Soulax serait apparemment décédé dans un tragique accident. Oui. Une mort certaine, à ce qui paraît. C'est terrible. C'est ça. C'est terrible. C'est horrible. Alors, déjà au nom de Sterling Cooper associé au gros barreau, nous vous présentons toutes nos condoléances. C'est gentil. Est-ce que j'ai cru comprendre que vous recherchiez potentiellement une personne, non? Une personne, c'est-à-dire, parce qu'on en recherche beaucoup pour l'instant, oui. Une personne avec une grosse prime. Une femme. Une femme. Effie Cooper, oui? Oui. Peut-être oui. Alors, 2005. Oui. Donc, alors, je vous présente Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, n'est-ce pas? Gros barreau. Voilà, sachant qu'on connaît la loi, on s'est proposé, y a-t-il une prime quelconque qui pourrait subvenir aux besoins? Et surtout, de... pourquoi recherchez-vous, mademoiselle Cooper? Attendez, venez, parce que là, c'est aussi sensible. Oui, bien sûr. Bien sûr, on aime la sensibilité. Très sensible, c'est-à-dire. Très sensible. Ça fait longtemps que vous posséder le titre de avocat au gros barreau. Ça va faire une quinzaine d'années, monsieur. Ah oui, enfin, plutôt une quinzaine d'années. Là, c'est sur une affaire très importante. Si tu veux me dire ça après, bon, si vous savez, les entendre en gros. Oui, tout le monde. On entend des voix ici, non? On doit suivre ce monsieur. D'accord. Un nouveau commandant, du coup. Il y a beaucoup de commandants ici, dites donc. Bonjour, monsieur. J'arrive après. Très beau beaucoup. Très beau beaucoup, effectivement. Je me rappelle de vous. Des avocats, non? Oui, exactement. Oh, monsieur, vous allez bien? Attends, je fais rentrer. Tout le monde, s'il vous plaît. C'était pas vous l'homme au rouflaquette? Non, c'était pas moi, non. Bon, il est où, monsieur rouflaquette? Allez, on va laisser aller. Personne se comprend ici. Bonjour, madame. Je me permets de m'asseoir. Il paraît que pour aller sur ces chaises-là,
là, il faut monter en premier dessus. Bougez pas. Et voilà. Attendez, je me permets de m'asseoir. Bien sûr. Alors, nous sommes toutes, oui, nous sommes Sterling Cooper, avocat au groupe. Voilà. Alors, madame Effie Cooper est recherchée pour terrorisme, décapitation, meurtre. Eh ben, dis donc. Et multiples chefs d'accusation très douloureux. On a affaire à un cas mineur. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me proposer? Je comprends pas. Est-ce que vous êtes Cooper aussi? Que vous aurez voulu tenter quelque chose, c'est ça? Non. Écoutez, on tente pas grand-chose à part la loi, évidemment, mais on aimerait connaître. Alors, les chefs d'accusation, j'entends bien, mais avez-vous des preuves formelles de tout cela? On est-il du dossier actif concernant... En fait, vous venez pourquoi là? Vous venez pour... J'ai voilà, pas tout compris. À fait. Tout on vient, justement, on vient, voilà. On vient pour, voilà, pour on a, discuter. On est là. On est là. On connaît la loi. On connaît la loi, monsieur. Excusez-moi, j'ai avalé un bout de biscuit. Écoutez, est-ce qu'il y a possibilité de négocier quelque chose? Un pourparler, effectivement, avec cette personne. C'est-à-dire, ce qu'on entend par pourparler aux yeux de la loi, monsieur, c'est-à-dire une réunion informelle qui, de votre côté, ne succédera à aucune arrestation, hein, n'est-ce pas? Mais dans l'obligeance de faire venir les deux parties pour une discussion saine et constructive. En quel but pensez? Dans le but de pourparler. Voilà, mais pour parler. Pour parler de quoi, justement? Parce qu'une terroriste ne parle pas. Écoutez... Si, croyez-moi, elle parle. Elle parle. Elle parle beaucoup. Écoutez, je pense que la solution n'est peut-être pas dans le fait de rechercher cette personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'atténuer les sentences? Peut-être avec un coup de main de son côté. Je ne sais pas, je ne fais que proposer. Ne se serait-elle pas fait avoir par un groupe terroriste? Peut-être qu'elle est endoctrinée, voyez-moi. C'est vrai. Pourquoi Effie Cooper vous intéresse? Et pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Si vous arrivez à me donner un argument, on est bien prêt à pourparler avec vous, mais elle nous intéresse parce que peut-être que je la connais. Ah, vous la connaissez? Et écoutez, Cooper, c'est peut-être... si vous faites d'accord. Le rapprochement, c'est peut-être un membre de ma famille, je ne sais pas, mais on aimerait avoir des renseignements quant à l'issue que vous pourriez proposer. Parce qu'on a entendu dire qu'il y avait une prime. Oui, de 2005. Voilà, on l'a vu. C'est une belle prime. Ah, d'accord. Donc, vous la voulez, c'est ça? Ah non, voilà. Non, on la veut, dans le sens, on veut Effie, on veut pas la prime. Ah, ok. Bon, voilà. Écoutez, avocat au gros barreau, laissez-moi vous expliquer la situation. Est-ce qu'il existe une possibilité, un monde alternatif où dans la loi, nous pouvons atténuer? Parce que je suppose qu'une fois que vous la trouverez, que ferez-vous de cette demoiselle? Alors, une fois si on la trouve, comme c'est une terroriste confirmée avec preuve et qu'elle a effectué un meurtre avec preuve, elle sera condamnée à perpétuité. Un meurtre? D'accord. Non, mais je veux dire, non, je sais ce qu'est un meurtre, je connais la loi, monsieur. Quelle est la victime, quelles sont les circonstances de ce que vous nommez de meurtre, monsieur? Alors, le meurtre est monsieur Anrel Mora, qui était patron du Bahamas, d'accord? C'est pas le monsieur que personne n'aimait, mais c'est celui qui est mort par accident, je crois, non? Non. Oui, en étouffant, justement, une clé anglaise au travers de la gorge. Pas du tout, pas du tout. Malheureusement. D'accord, y a-t-il possibilité de négocier? Et sa tête a été déposée devant le gouvernement, revendiquée par Effie Cooper. D'accord, alors, monsieur le commandant, quel est votre nom de service, si je puis me permettre? 50. D'accord. Monsieur 50, est-ce qu'il y a une possibilité quelconque d'atténuer la sentence vis-à-vis de cette personne, si peut-être vous recherchez un quelqu'un qu'il y a un gogol dans le coin. D'encore peut-être un peu plus dangereux, monsieur Sterling, je vous permets pas, monsieur Sterling, s'il vous plaît, pas de diffamation tout de même dans un commissariat. De temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est pas normal. Mais est-ce qu'il est possible d'atténuer donc la sentence? Peut-être que vous recherchez à faire tomber encore d'autres personnes, gangs, je ne sais pas. Oui, plus importante, voyez-vous. Si on arriverait à faire tomber d'autres personnes grâce à cette personne-là, oui, il pourrait s'avérer qu'il y aurait des remises de peine. Oh, mais c'est intéressant, ça. Il faudrait... Mais justement, est-ce qu'un rendez-vous en pourparler avec signature de contrat, comme quoi vous garantissez de ne rien faire avec mademoiselle Cooper? Bien sûr, regarde bien que je fasse pas de faute. Est-ce qu'un rendez-vous serait convenable entre vous, monsieur le commandant, et madame Cooper, sans casse, sans dommage, pour parler justement, et vous garantissez auprès de la loi et de l'institution bien sûr américaine, n'est-ce pas, que vous ne lui ferez pas de mal. Monsieur, on vous fera signer le formulaire 645B du pourparlage dans le but d'effectuer une rencontre entre un mandataire de la loi comme vous et un suspect comme Effie Cooper.
Hein. Bien évidemment, la clause interdit toute forme d'arrestation. Le but de cette réunion est informel et le de discutailler des biens et des tenants et des aboutissants, bien évidemment. Oui, monsieur, fini, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il est très long, mais il connaît la loi, écoutez. Voilà, je connais la loi, monsieur. Oui, je vois. Monsieur, ouais. Écoutez, oui, c'est possible, mais comment maintenant? Comment? Écoutez, ça c'est... Vous m'avez l'air d'avoir été renseigné. On connaît la loi, c'est pas votre problème, mais est-ce que c'est possible? Dans ces cas-là, si c'est possible, j'organise un contrat signé et qui sera évidemment, je demanderai à ce qu'un membre du gouvernement valide la signature, n'est-ce pas? Et vous me garantirez qu'il est possible d'organiser un pourparlers entre vous et Madame Cooper. Est-ce que c'est possible? Très bien, c'est possible, mais attendez, je vais appeler le procureur, comme ça il va venir ici. Oui, bien sûr, bien sûr, appelez le procureur. Alors, le procureur, c'est un peu notre ennemi, hein, Cooper. Oui, oui. C'est l'avocat de la partie adverse. Le procureur, c'est toujours Monsieur Gaëtan, oui, non? Gaëtan Meisterk. Mike Underwood. Ah, on y est presque, dis donc. Écoutez, je vais passer un petit appel, je pense que c'est très bien ce qui va se passer. Bougez pas. Oui. Très bien. Oui, allô? Oui, Effie, comment vas-tu? Toujours occupée. J'ai peut-être une très bonne nouvelle pour toi. Du genre? On s'est permis de prendre une avance et d'aller voir au commissariat. Ok. On a donc demandé une réunion avec le procureur, et nous sommes en train de négocier un pourparler avec donc signature du procureur et du contrat, pour que tu puisses discuter avec le commandant, n'est-ce pas? Et que, ensemble, on trouve un pourparler avec évidemment aucun risque de ton côté jusqu'à la fin du pourparler. Est-ce que tu serais intéressé? J'ai coupé la tête du meilleur ami du procureur il y a quelques jours et j'ai joué au foot avec devant le gouvernement, donc je prends pas trop ton temps. Pardon? Je pense vraiment que là, ils vont essayer de m'enculer, donc je suis pas non, vraiment ils ne peuvent pas. Écoute, Effie, on connaît la loi. On connaît la loi, on est quand même avocat au gros barreau, donc ils ne peuvent pas. S'il y a pourparler avec contrat et signature du procureur, ils ne peuvent pas, Effie. Tu comprends ou pas? D'accord. Sauf que moi, mon but, c'est de prendre la tête du gouvernement. Oui. Et de prendre la tête du président et de la faire rouler. C'est beaucoup, ça. Dans la ville. Donc, en fait, là, à l'heure actuelle, tonton, il n'y a aucune négociation possible. C'est ça que je veux te dire. Donc, n'essaye pas. Et si tu donnes peut-être des noms qui peuvent les intéresser Mais ils savent déjà tout de moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus leur indique. Mais non, mais si tu cherches bien, ma petite fille, tu te souviens quand tu mettais des carrés dans des carrés? Eh ben, c'est à peu près pareil. Si tu cherches bien, je suis sûr qu'il y a toujours, tu sais, ce petit tapas, ce petit truc à leur donner pour leur donner faim, et toi pour abréger ta sanction. Mais tu penses vraiment que je vais me rendre? Mais non et... Tu préfères crever que me rendre à ce putain de gouvernement pourri. T'as changé de comportement, t'es très bizarre. Est-ce que t'es sous amphétamine? T'as pris des médicaments, Effie, ou pas? Est-ce que t'as... J'ai un peu tourné à la mettre ces derniers temps, donc tu... Oui, mais je comprends bien, mais il faut reprendre son traitement, hein. Il faut pas arrêter comme ça, c'est très bizarre. Ouais, c'est vrai. Je te rappelle rapidement, tonton, parce que là... Oui, bien sûr, bah là, on est au commissariat, t'as tout ton temps, on négocie. Bah très bien, bah dis-leur qu'ils vont commencer à monter dans leur bagnole parce qu'on va jouer un petit jeu. Non, oh bah dis donc, c'est très bizarre, elle a un comportement très... Oui, ça va. Elle va bien. Ah bah oui, elle a un comportement très bizarre. Oui, bah si elle coupe des têtes des gens, évidemment qu'elle va avoir un comportement bizarre. Bah oui, alors c'en était où avec les négociations? Tu m'avais dit qu'elle était gentille. Oh bah elle est très gentille. Oui, mais je ne comprends pas, je crois qu'elle a arrêté son traitement, écoute. Oui, bah écoute, j'ai oublié mon attaché case, alors attention, faut pas déconner. Oui, Il a appelé le procureur et le procureur va venir instantanément sous peu. Oui, très bien. Bonjour, excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. C'était par où déjà? C'était tout droit. Suis-moi. Je connais la loi et le chemin. Bien sûr. Oui, un comportement un petit peu bizarre, mais on va pas. Oui. Bon, après, des petites dérives d'adolescence. Ah, mon porte-case. Et hop, je l'avais oublié. N'importe qui, en plus. Donc, si j'ai bien compris, on reviendra un petit peu plus tard quand il y aura le procureur, c'est ça? Mais il arrive d'ici. Il arrive maintenant, là. Oh, bah c'est rapide. Bah, voilà. Je repose mon porte-case. Bougez pas, attendez. Écoutez, là, en chemin, là, il finit juste un truc. Bien sûr. Donc, j'ai pu comprendre que c'était votre nièce, du coup? Oui, exactement. Ah, Sterling, on peut pas le maintenir, celui-ci, hein? Ah, apparemment non, hein. Il parle beaucoup. Monsieur, on se connaît pas. Mais... Oui, si vous voulez mon avis, moi je le connais, vous avez raison, un peu trop, je dirais même. Sterling, pouvez-vous vous asseoir, ça... Oui, non. Bah, j'essaye, mais a priori, j'ai un problème. Pas sur les lampes, Sterling. Ouais. En tout cas, les lampes sont solides ici, dites donc, hein. Dites voir, vous me donnerez le modèle? Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Vous voyez quand Sterling, vous Sterling, ce serait la dernière fois que vous bougez. Pardon? Bah, ne bougez plus, Sterling. Oui, non, je bouge plus, monsieur. Attendez. Ok, très bien. Il a accéléré son mouvement et il arrive dans même pas quelques secondes. Super. Oh bah dis donc. Excuse-moi, j'en ai pour 2 minutes. Mais je t'en prie. Attends, je te maintiens un peu parce que là, dis donc. C'est vraiment des belles lampes. T'entrais le modèle parce que. La résistance est impressionnante. Ah oui, bien joué. Merci, Sterling. Toujours vous faire confiance. Il revendique le terrorisme, la bombe
et Non, c'est pas une revendication. Monsieur, c'est un mode opératoire. Oui, monsieur, c'est très bizarre ce que vous dites, monsieur. Ah, monsieur le procureur est là, super. Donc ces messieurs là sont avocats, donc du Sterling gros Cooper, barreau. Avocat au gros barreau, monsieur. Bonjour, voilà, Sterling Cooper, attendez, avocat au gros barreau. Expliquez à monsieur le procureur. Je vais me permettre de discuter. Ah, oui. Bonjour monsieur le procureur. Donc bonsoir. Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, très gros barreau. D'accord. Et nous venons au sujet de madame Effie Cooper, n'est-ce pas? Et nous voulons voir s'il est possible ou s'il serait possible d'organiser un pourparler aujourd'hui ou demain avec donc cette personne et engagement de la part des États-Unis d'Amérique ainsi qu'un contrat signé de votre part, monsieur le procureur, et du commandant pour organiser une rencontre avec cette personne et voir si un arrangement de peine serait discutable et envisageable autour évidemment de tout ce qui s'est passé. Juste donc, c'est une décision qui est prise par vous-même de vouloir un peu, on va dire, oui, essayer de négocier sa reddition, c'est bien ça? Exactement. Écoutez, on a une déontologie, on a un travail, nous sommes avocats, donc c'est potentiellement un client ou une cliente, n'est-ce pas? Et chaque affaire est une affaire à prendre au sérieux. Vous savez qu'il y a toujours des aboutissants à chaque histoire. Et des tenants. Bien sûr. Et quelles sont les demandes de votre cliente, madame Cooper? Voilà. Il faut qu'elle reprenne son traitement et après laissez-moi lui parler. Mais moi, ma demande, en tant que oncle, mais avant tout avocat, c'est, en ayant entendu parler de cette prime, est-ce que un pourparler serait envisageable? Alors attendez, je me permets, Cooper, de vous interrompre. Ça, c'est pas dans le bureau. Moi, disons que ce qui m'intéresse dans cette histoire de pourparler, ce qui intéresse tout le monde, c'est d'en savoir plus. Parce que du finalement, coup, qu'est-ce que vous savez de cet affaire? On t'entend, c'est bon. Un peu moins fort, s'il vous plaît, dans le poste de police. Et donc, du coup, ce pourparler pourrait vous servir aussi de bénéfice pour en apprendre plus. Et voilà, avoir des informations, partage d'informations, mieux comprendre la situation, hein, n'est-ce pas? Et arranger la situation de manière à ce que ça finisse bien, aussi bien pour vous que pour notre cliente et que pour la ville. Et que pour la ville. L'important, c'est qu'il y ait justice, évidemment, et que tout soit justice réglé. Sera rendu. Justice sera rendue. Et si vous dites que, d'après vos dires, vous dites que justice sera rendue. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, par justice sera rendue? Vous attendez à quoi? Dites-moi. On connaît la loi. Écoutez, de ce qu'on sait, si j'ai bien compris, elle aurait décapité, c'est ça, non? Arrêtez-moi, oui. Voilà. Décapité cisaillé, les mots voilà, juste. Voilà, cisaillé, bien sûr. Et jouer au foot avec une tête. Écoutez, qui n'a pas eu envie de jouer au football? Vous rigolez? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais qui n'a pas envie de jouer au football tout de même? Donc, vous croyez vraiment... Arrêtez, je vais vous couper maintenant, là. Voilà. Vous croyez vraiment qu'on est en train de rigoler? Couper la tête? Dites-moi. Vous croyez vraiment que c'est une blague, là? Et qu'il y a matière à rigoler sur ce que vous dites? Monsieur, il n'y a aucune matière à rigoler. Vous connaissez la loi, calmez-vous, canalisez-vous. Il va falloir qu'on arrête de parler dans le vent, maintenant. Donc, moi je vais je vais venir droit au but. Écoutez-moi bien une bonne fois pour toutes. Ah bah voilà, football. C'est un humoriste ou avocat, je crois plus. Il y a moyen qu'on négocie, mais il y a une seule condition. Bien sûr. C'est qu'en parlant de conditions, les conditions elles seront fixées par nous. Bien sûr. Et une bien des sûr. Conditions. Avec possibilité que les conditions soient refusées aussi en face, ne l'oubliez pas, monsieur le procureur. Alors écoutez-moi, c'est votre nièce. Madame Cooper. Effie Cooper, appelons-la Effie Cooper. Pas de. Oui, pas de nièce, pas de. Il n'y a plus tout ça, voilà. Pas de niaiserie. Restons professionnels, monsieur. Alors, bien sûr. Donc, mademoiselle Effie Cooper, cette personne-là, est-ce qu'elle est. On a entendu dire qu'elle était en contact avec une certaine personne qui serait nommée Diego Gaviria. Est-ce que vous confirmez? Monsieur, c'est pas à nous de. On a une déontologie, on ne peut pas vous confirmer, mais en tout cas, on a déjà entendu parler de cette personne, effectivement. Voilà. Vous voulez que je vous dise la vérité? On sait déjà qu'elle était en contact avec lui. D'accord. C'est votre vérité, bien sûr, on l'entend. Oui, bien sûr. Donc, je vais en revenir au fait. Oui. Continuons. Je vais en revenir au fait. Nous, ce qui nous intéresse par-dessus Effie Cooper, ce serait d'avoir Diego Gaviria. C'est la menace numéro 1. Intéressant, bien sûr, j'écoute. D'accord, bien sûr. Nous serons peut-être disposés à, on va dire, être plus cléments avec madame Effie Cooper, à condition qu'elle nous aide à coincer cet enfoiré de Diego Gaviria. Alors, là, c'est pas professionnel de votre part, monsieur. Oui, si je puis me permettre, quand vous dites qu'elle vous aide, de quelle manière? Parce que c'est informatique. Voilà. Mettre un micro. Vous attendez à quoi? Vous attendez de à ce qu'elle vienne avec lui dans... On ne veut pas de simples informations futiles et complètement, on va dire... Ne vous énervez pas, monsieur, tout va bien. On veut du concret. On veut du concret. Concret, d'accord. Concret avec un C. Doté. Donc, vous ferez passer le message à mademoiselle Effie Cooper que nous serons disposés à discuter à condition qu'elle
nous aide à coincer Diego Gaviria. Très bien. Nous savons qu'elle a été en contact avec lui dans le passé. Nous savons qu'elle a largement les moyens de nous conduire à lui. Par conséquent, vous allez faire passer ce message. Et une fois que ce message sera passé et qu'il aura été, on va dire, pris positivement par votre cliente, à ce moment-là, nous serons disposés à discuter avec vous. Alors, bien sûr, alors, j'entends bien ce que vous me dites, monsieur, et je trouve votre offre très professionnelle, déjà, avant tout. Et par contre, il faut anticiper, monsieur. Anticiper quoi? Notre cliente. Elle va vous donner des informations sur monsieur Diego Maradona, d'accord? Gaviria. Voilà. C'est toujours le foot, cette histoire. Et finalement, il va se passer quoi? Elle va être mise en danger, monsieur. Donc... Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Si, si, on s'inquiète. Votre commandant est mort comme une... Pardon? Votre commandant est mort comme une personne qui n'a rien demandé et qui a pris malheureusement une balle. Donc, voilà, c'est donc un à partir fait. De là, à partir de là, on peut s'inquiéter si votre commandant chef de police meurt. Si votre commandant même, si le haut, la haute hiérarchie policière de cette ville se prend une balle... Messieurs, vous inquiétez pas. Bien évidemment, le risque nul n'existe pas. Malheureusement, l'ancien commandant a été malheureusement tué. Mais comme je vous l'ai dit, le risque nul n'existe pas. Et ce commandant et toutes les forces du LSPD sont mobilisées pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. Et ce sont ces personnes-là qui sont en première ligne. Donc c'est normal. D'accord. Êtes-vous sûr de pouvoir remplir votre part? Oui, voilà. On est sûr. On est sûr, plus que sûr. Voilà. Écoutez, on va accepter votre proposition, d'accord? Le procureur a accepté. On va faire ce rendez-vous et on va discuter. Il faut signer le papier, monsieur. Oui, envoyez-le-moi par mail. Envoyez-le-moi par mail et je vous le signerai. Vous inquiétez pas. Comment nous? Votre mail, s'il vous plaît, toujours. Regardez les appels police, s'il vous plaît. Mon mail, c'est mike.underwood. L'avant-dernier. Oula, il y a des Underwood. Vous êtes familier d'une Chantal Underwood? Négatif, non. Ah non, c'est, je confonds. Très bien, monsieur le procureur. C'est noté. Eh bien, merci d'avoir accordé un petit peu de temps. Écoutez, je discuterai avec notre cliente et on reviendra vers vous pour vous offrir une possibilité à travers le commandant ou vous-même. Monsieur, oui. Actuellement, on a une revendication de prise d'otage à l'instant même, il y a 3 minutes, de votre cher Effie Cooper. Ah, bah comme par hasard, la personne que vous souhaitez défendre. Donc, oui, allez-y, allez droit au but. Ah oui, allez-y. Vous allez lui dire de gentiment lâcher les otages, se retirer, rentrer chez elle. Donc, ok, alors, faites intervenir. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Voilà, je pense qu'on peut se permettre de calmer les choses. Allô, ouais. Attendez, je vais d'abord me renseigner sur... Pouvons-nous vous accompagner? Nous ne sommes pas... Elle me tirera pas dessus normalement, hein. Oui, oui. Si elle a pris son traitement, du moins, hein, c'est pas... Messieurs, je pense que vous comprendrez qu'une opération de police ne peut pas être interrompue par des citoyens. Oh, mais nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes avocats au gros barreau tout de même. Oui, nous sommes auxiliaires de justice, monsieur. Bien sûr, nous faisons partie de la justice, nous sommes la justice, monsieur. Pardon ? Nous sommes avocats, non ? Oui. Oui. C'est bien ce que je me disais. Oui. Auxiliaire donc, de justice. Auxiliaire de justice, monsieur. C'est-à-dire que nous sommes attitrés au même titre que vous en tant que justicier de cette ville. Bien sûr. Mais les opérations, c'est nous qui les menons. Bien sûr, mais justement, vous savez, si je fais 2 plus 2 et que je décide de vous inclure dans l'équation, ça restera le même résultat tant qu'il est bon. Donc, incluez-nous dans votre... Pardon ? Vous marquez un point. Bah oui. 17, il a un téléphone avec lui. M2, j'ai envie de dire. Même 4, parce que 2 plus 2 égale 4. Exactement, et encore, on vous a pas inclus dedans, sinon ça ferait 5. Allez, on y va. Allez, on est parti, parce que là, on est en train de s'en emmener. Oh, c'est une belle porte, ça, où vous allez, où, à droite ou à gauche, là? Dites voir, on vous suit, hein. Ah bon? Bah oui, il faut nous emmener sur l'opération, monsieur. Faut nous emmener sur les lieux. Oui, mais il faut des informations. Oui. Vous êtes la police. C'est vous la police, monsieur, c'est vous la police. Effectivement, mais mon commandant est parti chercher des informations, je pense. Et vous n'avez pas de radio, peut-être? Si, je peux essayer. Ah, bah regardez, oulala, dis donc. Attendez, les informations arrivent. 50, viens ici. Bonjour, enchanté. Je pense que c'est les informations, vous voyez? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Très belles informations. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous, monsieur? Ouais, ça va. Une belle soirée de mercredi. Oui, bien sûr, après mercredi. Oui, c'est sûr, dites donc. Vous êtes pas agent de police, vous? On est auxiliaire de justice, monsieur. On est auxiliaire de justice, monsieur. Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est des gens qui aident les citoyens à sortir de situations plutôt cocasses. Des avocats, vous êtes appelé comment? Parce que vous avez pas utilisé le terme d'avocat. Vous avez dit comment? Vous avez employé quel terme pour dire que vous étiez avocat? Auxiliaire de justice. Auxiliaire de justice, monsieur. Auxiliaire de vous. Ok. Nous sommes là pour aider les citoyens. Enchanté, Sterling et Cooper. Enchanté. D'accord. Tu me donnes le numéro de ta nièce. Écoute, j'ai un peu tweeté, je sais pas, c'est bon ou pas? Est-ce que le message, tu penses, est plutôt raisonnable? Oui. Il faut qu'elle nous... Attends, viens voir. Oui. Parce que là, c'est confidentiel. Oui. Est-ce que tu as le numéro de Effie? Oui. Oui, donne-le-moi. Ah non, c'est pas Effie, non.
Il fait non, 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 pourquoi? Il faut bien qu'on la communique pour savoir où est cette prise d'otage. Oui, mais elle n'a pas répondu à mon SMS et là je crois qu'elle est dans une situation... Oui, elle est prête à tout faire péter. Oui, mais c'est une situation. Je pense que quand elle dit tic-tac, elle ne parle pas que des bonbons. Oui, oui, oui. Il faut pas. C'est pas un problème d'haleine. Oui, j'ai pas envie que, tu vois, sur le coup, tu vois ce que je veux dire, il lui arrive quelque chose de grave tout de même. Écoute, on va voir le coup. Oui. Débrouillons-nous pour avoir l'adresse des lieux de. Oui, bien sûr, bien sûr. Tiens, la fromagère. Travaille ce monsieur qui est fort agréable. Hein? Oui. Monsieur? Monsieur? Oui. Oui. S'il vous plaît. Je vous excuse. Dites-moi, où se passe cette opération? Avez-vous quelques informations? Ça, c'est du travail. Oui, il faut y aller, là. Pour l'instant, de ce que j'ai compris sur la radio, oui, on est actuellement en train de chercher les suspects. Oui, bah, ils vous ont pas dit où ils sont? Non, c'est le principe d'une recherche, monsieur. Le principe d'une prise d'otage. Le principe d'une prise d'otage, c'est que quelqu'un a été pris en otage quelque part, non? Il faut le situer. Oui, c'est effectivement le cas, on est en train d'essayer de le situer. D'accord. Ah, vous ne savez donc pas? Et ils revendiquent quoi, les preneurs d'otages, monsieur? Oui, les revendications. Mais pour l'instant, on ne les a pas, puisqu'on n'a pas de contact avec eux. Oui, ils vous ont dit tic-tac, pourtant. Donc ça sous-entend qu'ils attendent quelque chose, monsieur. Tic-tac-boom, si je puis me permettre d'ailleurs. Oui, tic-tac-boom. Elle répond pas, je pense qu'elle a l'air fort occupée. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui. Déjà, qui est le monsieur avec le rose j'aimerais comprendre. Oui, je ne sais pas. D'accord, parce qu'on a toujours pas compris. Je vais t'avouer un truc. Écoutez-moi, Cooper. Je vais vous avouer un truc, cette ville est très bizarre. Voilà. Oui.